Nous voilà arrivés à Sarian. Il fait beau. Mais vraiment beau. Pas un nuage, rien. Tac. Et bah là, on vient de recevoir les blocs béton. Et donc, les blocs béton vont nous servir à faire la butte de départ. Je vais vous faire voir tout. Le matériel aussi, il vient d'arriver là. Les blocs, les machines. Des belles machines d'ailleurs. Avec ça, on devrait bien bosser normalement. Là-bas, c'est le mouvement tout, je crois. Donc ouais, on va couper le talus qui est derrière là. On va monter des blocs béton, comme ça on pourra mettre la butte à 8 mètres juste derrière. Et ici, on va faire une grande, une ligne droite qui va revenir rejoindre le premier virage qu'on va recouper et réouvrir. Et se remettre sur la piste qui est déjà là. Donc là, il y aura juste la ligne pro en fait de rajouter. Nouvelle technique pour dégeler. Voilà, on a pas le choix. Bilan première journée. Et bah ça, ça a été coupé, rasé. Le plateau de la première bosse, il est fait. Et là, on a commencé à implanter le premier virage. Donc on va pouvoir attaquer le virage également. Et on fera les bosses ensuite. Voilà, on va attaquer le virage. Du coup, on va devoir couper là où il y a le très jeune. Tout péter. Réouvrir de 2-3 mètres là, pouvoir se remettre en face avec la première ligne droite qui va être là. Donc il y a un peu de taf encore, demain on fait l'enrobé. Et on va reprendre la réception de la bosse commune aussi qui est là. Alors là, pour le coup, en attendant que l'enrobé arrive, qu'il fasse un peu meilleur parce que là il fait un peu froid, on attaque les bosses communes, donc fin de première ligne et la première bosse de la butte à 8 qui va être collée à celle de la challenge et réception commune. Donc là, on aura une grande réception qui va remplacer l'ancienne, assez douce, plutôt plate, pour pouvoir bien repédaler derrière. Ça devrait plaire à pas mal de monde, je pense. Aujourd'hui, c'était bosse de mur en Lego. On a bien avancé là. Il en manque quelques-uns pour pouvoir finir cette partie-là. Et puis peut-être un petit peu là-haut encore. Après, on va refaire le talus bien propre. Et ça va être propre, ça va être classe, ça va être pas mal. Donc, à mon avis, dès demain. Bon, là, il est. Je sais pas, il doit être 16h, un truc dans le genre. Vendredi, et il nous manque des blocs, et Stéphane, c'est le dieu pour ça. Il appelle 2-3 personnes, et puis t'inquiète pas, le gars il charge, il arrive tout de suite. Voilà, vendredi soir. Sinon, c'était demain matin, un samedi. Il n'y a pas grand monde qui peut faire ça, c'est pas mal, c'est classe. Donc, c'est bon, on va finir aujourd'hui. On aura fini le mur de soutènement, et
Il y aura la place pour accueillir la butte 8 mètres bientôt là. À mon avis après Noël, si tout va bien. Fin de première semaine, voilà où on en est. Les boss sont quasiment formés, il ne reste plus que la première à faire là. Le mur est monté. J'ai pas mal de boulot effectué là. Le virage a été fait aussi. Il n'y aura plus qu'à mettre le revêtement final. Et on sera bon. L'action, l'action, c'est ça qu'on veut, l'action. Voilà, c'est la finition, on est en train d'installer le revêtement là. Encore la première bosse à finir. Et on est bon. Grand chose. Dernière finition dans le noir. 19h, la dernière touche avant de partir. On a tout mis en revêtement là. En clapissette comme ils disent en sud. Là, la big boss, elle est énorme, elle doit faire pratiquement 20 mètres de large. Et ici on a 10 mètres de large de chaque côté.